intéressant, qui combinent, qui vont essayer de changer de côté. Ponti, que l'on voit un peu moins, qui a perdu le ballon, Kevin Fortuné, qui réussit à donner dans la course. C'est bien fait de la part de Mertier. Et c'est le but marqué par l'équipe d'Orléans. Jim qui va chercher une solution. Il essaye de tricoter un petit peu la face à la défense adverse. Et il y aura pénalty avec une faute sur cette incursion dans la surface. Vincent Vio pour tenter de sortir ce ballon. La frappe de Mathieu Ezikian et l'égalisation de Bourg-en-Bresse Perona. Comme à son habitude, c'est parti au premier poteau, c'est repoussé et pénalty. Et pénalty, Laurent. Rémi Sergio face à Delecroix. Rémi Sergio, et c'est dedans pour l'ouverture du score du FC Villefranche. Beaujolais, 22e minute de jeu, 1-0, Laurent. Ferris Ngoma pour Youssouf. Youssouf, le centre, et Jean-Christophe Bouet qui s'est interposé. Attention, la frappe à venir, et c'est dedans. L'égalisation. Et bien voilà, Ferris Ngoma qui égalise à la 56e minute de jeu pour la Berrichonne de Châteauroux. Mohamed Benfredge. Attention sur ce couloir gauche, Dunkerque qui insiste. Attention. Le centre pour Bagdadi et l'ouverture du score. Voilà, on parlait de ce couloir gauche, l'ouverture du score du Monsieur Plus de l'USLD, 7e but. Intéressant ce jeu un petit peu plus direct pour les retrouver d'excès. Et dans l'espace, et Tondé, le centre en retrait, le contrôle est bon de la part de Marcidi Bé pour glisser ce ballon au second poteau. Dylan Zeza présent. La première mèche d'Edouard Daillet avait fait trembler Borgo. Ouais, bien frappé au premier poteau, ce ballon est dévié victorieusement sur ce corner de Lousif. Adama Silibé jaillit au premier poteau. Au casson pour le corner, ballon cafouillé dans la surface de réparation, mais surtout pénalty pour une main commise par le pénalty pour Thiago Castro. Thiago Castro, 84e minute, le contre-pied parfait, et ça fait désormais 4-0 pour les Gobelins. 4-0. Oh, attention à ce bien mauvais coup distribué là par Dira, qui va prendre son deuxième avertissement et être exclu dans ce temps additionnel. Le grand Cherendoy, bien sûr, la défense est montée également. Et c'est parti pour Alriti, c'est bien tapé, on a déviation là-bas. La barre transversale, je crois que c'était une tête versaillaise hein, qui a mis ce ballon sur la barre. Je vais avoir le plaisir de remplacer là aussi. Oh, c'est, ouais, c'est très bien fait, ça capo Silva. Attention parce qu'il y a l'appel de Mathieu de Séville qui va rentrer dans la surface de réparation. Le petit ballon qui passe à côté du but. Dans cette première mi-temps, Aignan Duyet, lui, va tenter d'en mettre du côté du Mans en s'appuyant sur Kouarchi, Geoffrey Kouarchi, qui temporise pour centrer, retrouver Nanduyé peut-être, le but contre son camp. Le but contre son camp de Benjamin Angoua. Et ça fait un but à zéro en faveur du Mans qui n'en demandait pas tant finalement pour prendre les devants. Et bien voilà qui est fait. Amir Nouri encore qui se retourne par-dessus pour trouver Benkaïd. La déviation vers Béga. Et il y aura un pénalty. Il y aura un pénalty pour Saint-Brieuc. Hicham Benkaïd pour immédiatement se faire adopter. Chez les Griffons, c'est parti et c'est transformé. Un but partout, l'égalisation du Stade Briochin. Premier but pour son premier match avec sa nouvelle équipe de Saint-Brieuc pour Hicham Benkaïd. Un but partout. L'action se poursuit pour Avranches.
avec le changement d'aile, avec Sakho peut-être, avec Launay. Oh, Bastien Launay qui arrive de nulle part et qui ouvre le score pour l'USA Branche Mont-Saint-Michel, 1-0.